En gros, c'est l'ordinateur de bord que tu grilles, quoi. Donc ça veut dire que les portes, tout ça, après, faut les activer en manuel. Imagine dans une grosse base, ouais. Dans une grosse baston, t'as le Warlock qui active son MP, t'as tous les ceux qui s'arrêtent Ouais, mais tu vois de. bien, tu Mais de toute regardes, façon, je te lui, dis, déjà, c'est pour il ça a que un je te dis Warlock, que, mais. c'est pour ça que je te dis que ce vaisseau pour des pirates, mais il va être génial. Parce que Ouais, c'est sûr. les pirates, actuellement, tout ce qu'ils ont, c'est le Sucker Punch pour faire surcharger les systèmes, pour qu'ils soient plus utilisables, mais ça ne désactive pas pour autant. Alors que par contre, ce truc-là, c'est arrivé, boum. Voilà, il n'y a plus qu'à capturer Ouais, le mais le vaisseau. Warlock, comme c'est sur l'Avenger, c'est un petit vaisseau, donc je pense pas qu'il soit vraiment une grande distance, quoi. Je pense que c'est un petit L'Avenger est vaisseau, une quoi. moyenne portée. Ouais, moyenne portée, T'as trois moyenne portée, catégories de ok. vaisseaux. T'as un peu de faible portée, moyenne portée et grande portée. C'est une moyenne portée, l'Avenger. Ah, on est bien, quoi. Ouais, pas pour moi. C'est un vaisseau civil. Les vaisseaux civils sont faits pour la moyenne portée de base. À part les vaisseaux starters. C'est les seules exceptions, j'ai envie de dire. Je peux activer mon. Ah oui. Superman. Bon, y a quand même quelques petits bugs là. Tu sais, les étincelles qu'on voyait tout à l'heure dans le cockpit du Constellation, je les vois à l'extérieur. Elles tombent du vaisseau, elles tombent dehors, en dehors du vaisseau. C'est ça que j'ai plus de balles. Bon, je vais essayer de remonter par le sas, comme je disais. Mais si tu passes avec ton corps dans le rayon laser. Ouais, bah ça a déjà été testé plein de fois, hein, tu meurs. Moi. Je pense que tout à l'heure, c'est vraiment la coque du vaisseau qui m'a sauvé, quoi. Et encore, les boucliers fonctionnaient encore, ce qui veut dire que les boucliers ont bien résisté contre le truc, hein. Je crois qu'en fait, c'est les boucliers qui ont empêché que la coque soit pétée. Hein. Ah, un test intéressant à faire, mais j'ai pas envie de me retrouver encore coincé comme tout à l'heure, c'est pour ça que je vais pas le faire. Mais un test qui pourrait être sympa à faire, c'est. Tu désactives le générateur de bouclier, tu fonces à nouveau dedans. Pour voir si c'est le bouclier tout à l'heure qui a sauvé le vaisseau ou si c'est vraiment le vaisseau qui est très résistant pour résister Ou à ce truc. ouais, tu peux faire ça, tu fais ça parce que de toute façon, tu vas prendre un max de dégâts, tu vas exploser, c'est sûr. Mais de toute façon, autant faire le test, t'as rien à. Oh, je m'abuse bien moi dehors là. Attends, je vais réessayer le. J'ai beaucoup aimé le coup du sas. Et normalement, les prochains seront le Freelancer et le. Et le Vanguard qui est déjà en hangar Ouais, ready. je sais, j'en ai deux dans mon hangar là, ils sont assez beaux. J'ai réactivé le SAS? Non. La porte s'est pas refermée, je comprends pas, je suis pourtant sûr d'avoir J'en vais. activé ma. Ok, va te faire foutre le SAS. Le sas qui se ferme au moment, qui se ferme pas quand je suis dedans et qui se ferme quand je sors. Fous-toi de ta ma gueule. Allez, doucement, doucement. Oula. Ah, en fait, il détecte ma présence ou quoi? Ah, ça doit être ça. Donc ça veut dire que je le gênais là pour fermer. Attends. Cette roulade de la mort. Ah. Bon bah, j'ai encore fait fuir la douche. J'aurais dû tester de péter la vitre. Je vais essayer quelque chose. C'est lancer le vaisseau à pleine vitesse et voir il me balader dedans, ça va être sympa comme vue. En démarrage du vaisseau quand même. Le bruit des moteurs quand même, l'accélération. Je vais essayer de me diriger vers un coin où il n'y a rien.
j'aime beaucoup. Oh putain, j'espère que ça passe. Ça passe, ça passe. Oui, ça passe. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais retourner à la poste de pilotage. Bon. What? Ok, il a bugué mon... D'accord. Ok. Est-ce que tu vois ce que je vois si tu regardes toujours le stream? La soute est restée ouverte en fait en volant. D'accord, donc au moins je connais du coup le prix des canons qu'il y a sur la tourelle. 8000. Oui, je devrais respawn par contre. Ok, je crois que le jeu a planté. David ? Oui ? J'avais pas mis le casque. Désolé. Je viens de voir en fait quand tu étais dans la tourelle, il est en train de montrer 8000 UEC. Oui, alors ça en fait c'est parce que j'ai activé le. Le truc qu'on a actuellement qui existe, voilà le mobile là, c'est que du coup en fait je crois que c'est le prix des armes de la tourelle qu'on a vu. Ok, bah maintenant ce qui m'a rappelé c'est qu'en fait la tourelle comme si tu peux pas tirer, mmh. C'est parce que t'as pas mis les cartouches dedans. Mais c'est des lasers. C'est des bulldogs. Y a pas un petit truc à activer. Le problème c'est que j'ai pas... Je peux essayer de regarder. Ouais, de toute façon, là, du coup, j'ai planté totalement. Donc, je dois relancer. Ouais. Par contre, t'as vu que du coup, ouais, la soute est restée ouverte. Et... ouais, j'ai vu ça. Je follais avec la soute grande ouverte. Perdez votre cargaison, allez-y. Faites-vous plaisir. Tout est gratuit. Bah, je crois que quand tout le monde aura fini de télécharger le jeu, vu comment le serveur actuellement est instable pour jouer à j'ai perdu le mode. À l'autre mode, voilà, je vais dire ça comme ça. Je pense que la meilleure technique, faudrait qu'on essaie, c'est de jouer en free flight, mais en ligne, c'est le free flight classique. Je crois pas que ça marche, ils ont tous activé à part le BBPU. Le BBPU et du coup moi j'ai accès au mode solo. Ouais, t'as accès au solo et au BBPU. Mais je pense que d'ici où on accède, je pense qu'ils ont peut-être mis encore un petit patch en plus. Ce sera un peu plus stable peut-être. Bah de toute façon, là, actuellement, c'est pas un problème qui vient du jeu, c'est un problème de leur serveur. Donc c'est à eux de faire des correctifs de leur côté. Bah je sais pas, s'ils font pas de correctifs aujourd'hui, ça veut dire que pendant le train, ils vont en faire. Parce que d'office, normalement, aujourd'hui, ils doivent être correctifs. S'ils sont là. J'ai pas compris ce que tu disais, en fait. Non, je disais, normalement, ils devraient faire un correctif d'ici ce soir. Ah, bah, faut espérer, ouais. Parce que là, de ce que j'ai lu, là, en gros, on est passé de 1000 personnes, que quand ils ont commencé les invites pendant la semaine, 15 000, ouais. À 15 000, là, pour ce week-end. Donc, du coup, il faut qu'ils fassent des correctifs, en effet. Alors, je vais regarder. Parce qu'on m'a dit que les devs ils travaillaient aussi le week-end, tu vois, normalement. Ouais. Moi, je pensais qu'ils ne travaillaient pas, quoi. Bah, après, il faut savoir qu'actuellement. Ah, mais j'y pense. Actuellement, on a que la moitié de l'équipe parce que c'est Thanksgiving, donc ils sont en. Tous les studios américains actuellement sont à l'arrêt. Ils ne bossent pas. Parce que c'est Thanksgiving. Il n'y a que les studios, en Europe. Ah ouais? Ouais. Ah bah voilà, alors c'est sûr qu'il n'y aura pas de mise à jour aujourd'hui. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Ouais. Oula, comment. Il est bugué mon truc. Non, je vois pas de munitions à mettre. Malgré le fait que mon truc est illisible. Bon. Je vais essayer de lancer un mode en ligne, on va bien voir.
Putain, je me tâte à continuer de télécharger en sachant que je jouerai pas ce soir, ou à faire pause et remettre cette nuit en. Mais pas, parce que de toute façon, le téléchargement de nuit, ma vitesse va tripler. Je sais pas. Ouais. Si ma vitesse triple, je sais pas si ça vaut le coup de télécharger tout de suite. Je sais pas, là je peux pas t'aider. Parce que là, c'est toute la journée que je suis à 300 kbps. Et Encore t'as combien de 23 Go à pourcents? télécharger. Bon, on va retenter le Vanduul Swarm avec un an à constellation. Vas-y, je vais pas quitter mon siège. Mettre en pause, puis je me lance un petit compagnon Fioros. Viens. Ok. Allez. Putain, je dois essayer de voir l'ouverture des lanceurs missiles. Oh. Oh, c'est stylé. Et on tire rien. Mauvais côté, d'accord. Stylé. Bon allez, un peu plus sérieux, on y va. Oh, quand même, je surkiffe vraiment le bruit d'animation, le bruit des moteurs quand tu les pousses à fond. Pas de freeze. Ouais, c'est sûr, j'en suis pris. Hein. Voilà. Ça va, les boucliers. Putain, quand même, les boucliers sont vraiment. On voit la différence entre un chasseur, hein. Les boucliers d'un chasseur et les boucliers d'un. Ben. Sur le côté a pris cher. Il est en dessous, d'accord. Putain, je voyais pas l'écran, c'est tellement grand. Quoique non, pourquoi pousser à pleine puissance? Je vais demander à l'ordinateur d'adapter ma vitesse à celle de mon ennemi. En attendant, j'ai pris aucun dégât, première vue.